RFA Monde TV. L'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave. Soyez branchés pour vous donner toutes sortes d'informations dans tous les domaines de la vie. C'est Père Jean-Louis. Oui, c'est le Père Jean-Louis. Nous avons vu les images qui nous sont parvenues de la paroisse Saint-Clément, qui, on nous dit que la paroisse a été incendiée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment ça s'est passé? C'était à quelle heure? Quel est l'état de la paroisse actuellement? Ok, c'est que la paroisse a été visitée la nuit, autour de 1h, 2h du matin, par les agents civiques. Alors, ils ont mis le feu sur les portes de l'église. Il y a trois portes de l'église qui donnent face à l'avenue, l'avenue Mafuta numéro 1. Et ils avaient le bidon d'essence. Ils ont pris aussi quelques tables sur l'avenue Lenguessa, là où les mamans vendent. Ils ont mis ça à côté de la porte, à côté des portes, et ils ont allumé le feu. Et à 2h du matin, Saint Petit qui nous aide à vendre de l'eau, les voisins avaient son numéro. Ils l'ont appelé. Ils pensaient qu'il était à la paroisse, où il était chez lui. Et les petits m'ont appelé pour me dire qu'il y a des gens qui sont en train de mettre le feu sur les portes. Alors, je suis sorti, j'ai allumé les lampes, tout ce que les courants étaient venus péter. J'ai allumé les lampes de l'église. Alors, les voisins sortaient aussi, puisqu'ils voyaient qu'il y avait beaucoup de flammes et de fumées. Alors, ils sont sortis. Et en sortant avec la sentinelle, on a remarqué qu'il y avait vraiment des flammes et la fumée. Et on a rapidement d'éteindre le feu. Quand on a éteint le feu, on est parti alerter la police pour qu'ils viennent faire les constats. C'est un peu ça la situation. En tout cas, jusqu'à maintenant, on ne sait pas identifier les incendies là. C'est un peu ça la situation. Ils n'ont pas laissé des messages pour dire pourquoi ils sont venus brûler la paroisse. Ils n'ont pas laissé des traces. Non, en tout cas, ils n'ont pas laissé des traces. En tout cas, aucune trace. Merci beaucoup, Père. On garde les contacts au fur et à mesure que la nouvelle évolue, parce qu'on doit informer quand même nos chrétiens, les gens qui veulent en savoir un peu plus. Merci pour la disponibilité et courage. Okay, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. RFA Monde TV. L'ignorance est un crime, mais connaître sans rien faire est un crime plus grave. Soyez branchés pour vous donner toutes sortes d'informations dans tous les domaines de la vie.